Ouais, il en faut du courage, il en faut vraiment du courage. Bienvenue 19h, nouveau The Big Gameowski. Aujourd'hui c'est une nouveauté, ouais. Alors, qu'est-ce que je suis allé vous chercher? Bah, je suis allé vous chercher un jeu pour les GOT. Donc sortez vos manteaux noirs. Oui, les New Rocks aussi, c'est parti. On va déprimer ensemble, parce qu'on va aller dans un jeu super sombre. Forcément, il s'appelle Dark. Qu'est-ce donc que Dark? Coucou. Ah oui, j'adore ce passage dans le visage. Qu'est-ce que Dark? Bah, Dark, c'est un jeu qui fait partie de cette catégorie que j'appelle moi les liners. C'est-à-dire, bah, vous n'avez pas de profondeur ou de dimension vraiment dans le jeu, vous restez vraiment à plat en 2D et vous suivez une ligne sur l'écran, quoi. Ceci dit, là où il va nous emmener, c'est assez particulier. Parce que ça va être particulier bah, par son univers déjà, qui est... Bon, il annonce la pas couleur, hein, Dark. Donc il est Dark, réellement. Il n'y a pas de trompage sur la marchandise. Et puis, il va nous retourner un peu la tête, puisqu'il a un concept assez rigolo sur sa façon de présenter des casse-têtes. Bien teasé ? On fonce dedans. Alors, c'est Dark. Oui, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est fait pour, hein, de toute manière. Donc, nous voilà. Je vais vérifier le setup du jeu, puisque j'ai eu deux plantages précédemment, et c'est donc la troisième fois que j'enregistre cette chronique en essayant de garder la bonne humeur. Et j'entends les ventilos du PC qui me disent « Tu sais que ça va pas tarder à crasher une troisième fois ?» Alors, on va dire que non. On va dire qu'il n'y aura aucun problème. Que mes paramètres sont réveillés, sont réglés à la perfection. Que j'ai pas poussé la résolution exprès pour que ça ne plante pas. Et que tout va bien se passer. C'est parti. Alors, je découvre le jeu en même temps que vous. J'ai juste lancé pour faire mon setup. Et maintenant, tout ce qui va se passer, ben, c'est autant inconnu pour vous que pour moi. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, je peux rien faire, je peux marcher. Si. Oh, je peux m'abaisser, ok. Peut-être des moments où il va falloir être discret. Je suis donc en train de faire une expérience hors de mon corps. Et donc, quand on est dans un liner, et qu'on se trouve dans ce genre de circonstances, on se dit, bah, c'est foutu. Moi, j'aimerais bien aller au fond, à la limite. Vous affolez pas, les gars. Alors, quand je vous disais que le jeu allait vous retourner la tête, je vous ai clairement pas bullshité. Je vais juste baisser un petit poil son son. Le PC n'a toujours pas... Donc voilà, prise de tête, bah, ça va être ça. Votre tête va tourner vraiment dans tous les sens. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, bah, votre tête elle va être pleine de casse. Puisque oui, le jeu, c'est pas mal d'énigmes et de casse-tête. Qu'il va vous falloir résoudre au début, ça paraît simple. On se dit, mais qu'est-ce que les gars vont arriver à nous faire faire sur un simple liner? On va voir, on va voir. C'est la question que je me pose également. Donc, il faut avoir à l'esprit en permanence le fait que je suis pas limité par mon plan horizontal. Je peux, hop, passer à la verticale, si besoin est. Il n'y a pas d'inventaire. Si, c'est ça, ok. Inventaire limité,
Ça veut dire que je pense que très loin dans le jeu, il va pas hésiter à nous faire faire des allers-retours. Non, je n'ai pas eu peur. Je suis Gauthier. Qu'est-ce que tu veux me faire peur? D'accord. Un, ça te suffit pas, il t'en faut trois. Ce serait pas un petit peu gourmand, Morisset? Oui, mais non, mais je peux plus retourner où j'étais, gars. Va. D'accord. C'est très rétro ce vieux jeu de puzzle là. Avec une case en moins. Ce qu'on va pas tarder à avoir d'ailleurs. Et le déplacement des objets comme ça, c'est rigolo. Amva, Amva. Un peu que j'y prends. Une clé, ça veut dire qu'il faut que je trouve une porte. Est-ce que je reprends mon engrenage? C'est la bonne question. Oui, j'en ai besoin, il m'en faut trois là-haut. Ici, non. Donc je peux pas choper cet engrenage. Et c'est bien moche. Alors si je fais quelque chose là, je fais quelque chose là, je fais quoi? Ok, je sors ici. Cette clé, est-ce qu'elle va me servir quelque part par là? Non, j'ai pas l'impression. Alors, est-ce que j'aurais pas raté quelque chose au début, moi? Tout bêtement. Parce que ça, c'est une de mes spécialités quand même. Ou alors, est-ce qu'il faut pas que je me balade avec mes deux engrenages pour pouvoir avancer plus loin dans le tableau? C'est une autre hypothèse. Pour courir, si génial. Parce que tant qu'à tourner en rond, on va essayer de faire ça bien, d'une manière amicale et tout à fait conviviale. Parce que je le rappelle, c'est pas parce qu'on est goth qu'on est désagréable. C'est important. What the. Est-ce qu'il y aurait pas un truc à faire par là? C'est bizarre. Je suis en train de balancer mes engrenages pour rien, j'ai l'impression, mais je sais pas, je suis. Il faudrait que je puisse passer, quoi, ce serait une bien chouette nouvelle. Tu veux pas me faire passer, gars? Non, il est pas super envie. On va pas utiliser une clé là-dessus, quand même. Non. D'ailleurs, un passage que j'ai pas vu. Cours, Forest, cours. Ah, purée de purée de purée. On va aller au bout, hein. Histoire de pas être venu pour rien. Ah bah, deux engrenages. Ça, je peux. Yes, I can do it. Don't move. Donc, vous voyez, le jeu part sur un principe
Bête comme chou. Bah oui, il est bête comme chou quand même. Et du coup, il vous prend la tête parce que vous êtes obligé de parcourir un niveau, mais en actionnant différentes choses qui vont vous mener à différents endroits. Ouais, mais ça va me baisser celle-là. Reprends-moi ça en fait. Merci, Maurice. On va aller chercher cet engrenage. Hop, je le récupère. Et cette fois, je vais faire mon périple par au-dessus. Le soucis étant qu'il va me manquer. Est-ce que je peux le prendre quand je suis de l'autre côté, cet engrenage? C'est la bonne question, ça. Hop. Yatta. Et je monte. Et je remonte. Et je m'arrête pour reprendre mon engrenage. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, je suis pas allé voir. Oups, il y a des pics, hein. On va pas les voir. Minutes et le PC n'a pas crashé. Je croise les doigts. Qu'est-ce que quoi? Un symbole avec un œil, un symbole avec une tête de mort, et d'accord. Pousse la manette, Igor. On va faire ça. Ce n'est pas très malin. Je peux pas agir sur cette tête de mort. Pop, 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 pop. Oh la prise de tête. Je sens que ça va partir en sucette. C'est exactement le jeu qu'il ne me faut pas. Vous aimez les parties qui durent inutilement longtemps? Oui, bah vous allez être servi, je pense. Tu peux passer là? Eh non, tu n'es pas Lara Croft. Ok. Alors, il y a ça qui machin, qui pivote, qui. Alors c'est vraiment très spécial parce que du coup, on a du mal à se représenter les actions. J'essaye, hein, j'essaye naïvement. Je me dis qu'il se passera bien quelque chose. Mais là, à part m'être enfermé, je vois pas trop ce qui va se passer. Ok, c'est pas là. Donc ça doit être plus loin. Allez, faire un tour. Des fois que ça agit sur quelque chose, je sais pas. Pam, 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 pam. Oui, mais je vais être coincé, because, il n'y a plus le sol ici, mon ami. Et ça, je pourrais pas en faire le tour. Donc, faut vraiment que je résolve ce qu'il y a au-dessus. On va le faire pour démontrer mon erreur. Oui, il va pas vouloir que je... pas rêver. Oui, vu que je comprends rien, j'essaye tout. Hop, hop. What did happen? Oui, bah j'ai que dalle, c'est normal. Si je fais ceci, je peux aller là, mais là c'est fermé. Si je fais cela, bah, je peux pas pivoter, c'est une grille. Vous êtes gothique?
Vous aimez les casse-têtes? Je crois que j'ai un truc pour vous. Damned. Bon, je peux plus passer là, c'est plus la peine. Donc il faut que je résolve le petit casse-tête qui est en haut. Est-ce que je dois reprendre mes engrenages? C'est la grosse question que je me pose en fait. Je crois pas, non. Si, 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 si. J'aurais eu l'info. Tiens, je te le remets. Oui, je sais, très cool. Alors, reprenons cette affaire étrange. J'ai plus que ça d'actionnable maintenant. J'ai fait pivoter ça comme ça. Il y a un truc qui est apparu. Ça a fait absolument n'importe quoi. Clé. Tête de mort. En toute logique, il faudrait que ça pivote sur la tête de mort, ça, donc. La tête de mort qui est là-bas. Je peux pas l'actionner à la main, c'est ça qui est... qui est triste. Alors, on va essayer de fermer ça. Et puis, on va passer par ce côté. Naïvement. Tête de mort. Maintenant, tu veux... Je sais pas comment ça va réagir. Tu veux ce qui est en bas, là. Enfin, ce qui est sur le côté. Enfin, ce qui est... Enfin, je me comprends. Ok, maintenant tu veux le non-œil. Ok. Blatch. Maintenant tu reveux la tête de mort. Donc il faut que je retourne de l'autre côté. Et now tu reveux la clé. Tout est limpide. Toucher ça, j'ai peur que ça me referme la porte. Ça va bien se passer. Je suis sûr qu'il faut revenir chercher les deux engrenages. Je sais pas pourquoi. Non. Ça se touche pas à l'électricité, rien. Bon, ok. J'aurais peut-être pas dû toucher ça. Je sais pas. Ça va bien se passer. Ayez confiance. Ou presque. Bonjour mesdames, chef, je viens pour le, pour la, je vais juste prendre ça, d'accord? Vous faites comme si je n'étais jamais passé ici. Mais ça me tape dessus ça. Je repars où? Ok, je repars là-bas. Mon engrenage, je l'ai toujours? Oui, non, peut-être. Yes, je vérifie quand même, j'ai trop peur de... Ça me prend un aller-retour gratuit, c'est nul. Alors, ça reprend le principe un peu de limbo, ce passage, c'est rigolo. Avec les zones éclairées, là, genre, faudrait que je trace. Et ça passe. Ok, c'est bien ça. Ok, on va gérer. Prends-le. Bouge. Elles ont pas l'air très méchantes comme ça, mais c'est du one shot, donc on va éviter on va éviter. Comment j'ai tracé? C'était à une microseconde. C'est méchant ça, c'est très méchant. Bon, vite, 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 vite. Zaï, zaï, zaï. Hop, on bouge. Bouge. Et l'autre c'est hop et tu bouges. Est-ce que je me remets ça? Oui, je verrai après. Faut que je remette. En fait, le but c'est de ramener mes trois engrenages à la machine de départ. Ok. Alors, le sous-sail étant que il m'en manque un, quoi. Non, ça va. And the one. And do it. Oui, on va mélanger les langages un peu. Et dry.
Tu vas t'ouvrir, vilaine grille. Oui. Et en face, je vais passer. Elles sont énervées. Je crois que je les ai énervées. Je crois que je leur ai foutu la haine. Hop là. Tout en souplesse. Alors, ce jeu est vraiment bizarre. C'est très très rigolo. Il faut que vous aimiez l'aspect graphique. C'est assez particulier, mais bon. Qui dit dark, et c'est plutôt dark, comme dirait Mireille. C'est... Et derrière cet aspect, y a ces casse-têtes quand même qui sont vraiment amusants, qui vont vous bouffer un max de temps, je pense. I can sleep to save. Dans une autre dimension. Alors, je vous déconseille de jouer à ce jeu après l'apéro, par exemple, hein, ou après avoir fait une bonne soirée avec des amis à rigoler, parce que vous allez rien comprendre de ce qui vous arrive, quoi. Je tripe un peu aussi. J'ai pas de billets, mais j'y vais quand même. Je vais me faire engueuler, je pense. Ça se bouge aussi. Oui. Ouh là 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 là. Alors il y a un, deux couloirs différents. Okay. On va se tenter le premier, hein. Alors si vous avez envie de vomir, je vous rappelle, hein, le seau c'est à côté là. Voilà. Parce que oui, c'est quand même super perturbant ce fait de basculer les tableaux. Ça modifie complètement la perception. Non. Pas de petite clé. Ok. Non, mais c'est pas grave. Bon, on va continuer l'exploration. J'espère que je vais pas me prendre un. Un véhicule en pleine phase d'accélération, en plein visage, ce serait moche. La 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 la. Air dégagé. Aucune idée de ce à quoi peut servir cette vieille montre, les amis. Je ne peux plus aller là, ok. Alors j'avoue que je suis pas des plus doués avec les liners. J'ai toujours un problème quand on me fait un jeu comme ça où tu es contraint à une ligne. Moi j'ai ce réflexe de vouloir aller au fond tout le temps. C'est super bizarre. Est-ce que ça aurait une utilité là-dedans? Bubu. Ok. C'est vrai que je vais pas tenter comme ça. Je sens que ça va être sport. Ça va être soit sport, soit game over. Mais il va y avoir un truc. Non, mais non, mais non, mais non, ça va pas le faire là. Soyons logiques. Alors, est-ce qu'il me propose de basculer ça, nous? Parce que du coup, ça pourrait peut-être me permettre d'accéder à des plans que j'ai pas explorés encore. Là, je suis au plafond de où je suis passé tout à l'heure. Je sais pas si je suis clair quand j'explique ça. Je...
et ça me permet d'actionner l'interrupteur qui est de l'autre côté que je peux pas, auquel je peux pas accéder. Ok, vous avez saisi? Ouais, j'étais super clair sur ça, me demandez pas plus d'efforts, j'y arriverai pas. Puis vous savez comment je suis confus moi-même déjà souvent. Donc maintenant il faut que je retourne. Voilà. C'est reparti mon kiki. C'était dans laquelle? Celle-là ou celle-là? Je ne sais plus. Je crois que c'est celle-là. Bon, l'autre nom qu'ils auraient pu filer à ce jeu, c'est Confusion, hein, parce que on est en plein dedans. Ça s'ouvre pas, si. Peut-être. Avec la montre. Non. Vraiment, sans façon. C'est dommage. Bon, bah, je vais passer en dessous déjà, ce sera une petite victoire. Sais pas pourquoi, je sens que je vais crever dans pas long, hein. Alors, ma petite victoire, c'est déjà une défaite. C'est dommage. Je peux pas passer là, j'ai pas le bon objet. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Then. I'm seriously fragged up. Oui, c'est important de faire rouler les airs. Ça fait un petit genre un peu irlandais, ça fait toujours plaisir. Et puis ça justifie les bières en plus. C'est peut-être pas dans cet endroit. C'est peut-être plus dans celui-là. Hop. Et mon gros. Vas-y, avance, avance, trace. Il va rien t'arriver. Il va rien t'arriver, je te le dis. Non, c'est pas dans celui-là. Ok. T'énerve pas. Il me reste pas de bonne option. Ça, et là. Je suis revenu à mon propre départ. Là, j'avais rien. Rien de particulier. J'ai pas essayé ça. Petite clé, que dalle. Ok. Je suis désespoir. J'aurais mieux fait de demander à voir un chat. Faire là les gars. Moi je veux bien essayer hein, mais bon, je regarde le chrono. 28 minutes. Il va bien falloir que je meure en un moment ou un autre. 1, 2, 3. Moi je tente. Hein. Enfin mon perso a pas envie, c'est surtout lui qui veut pas quoi, il est pas fou. Pourtant il a quand même une tête qui porterait à croire que. Mais c'est un autre débat. Tiens pendant que je suis là. Si je tombe ça. J'ai pas fait ce niveau au plafond. Petit cochon, pendu, trace. Ah ah. Voilà qui m'éclaire, bien sûr. Il me fallait des allumettes, c'est évident. Ah, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais pleurer. Ok. Qu'est-ce que j'ai pas essayé dans cette version? Je l'ai fait. Des allumettes. Il y avait quoi? Il y avait rien à allumer là. On va aller voir. Alors je pense que c'est un jeu qui doit être beaucoup plus amusant à voir quand on le pratique soi-même. Que à regarder, parce que ça doit prendre la tête d'avoir tous ces décors qui pivotent sans arrêt. J'y suis allé, j'en viens. Allez, je tonne pour celui-là.
foutre le feu à cette porte. Dame, ça marche. Ok. Bah, heureusement que le bois était très sec, hein. Je savais pas qu'elle faisait cette taille, cette montre. C'est une bonne découverte. Train station, ok. Ce jeu va vraiment vous égarer, quoi. Non, tu ne peux rien faire là, ok. Alors si, oui, la lettre T, je vais pouvoir la mettre là-dedans. Je n'ai plus d'allumettes, si. Ok. On va s'arrêter là pour cet aperçu de Dark, parce que je pense que vous en avez assez vu pour comprendre le principe du jeu, et puis voir comment il est foutu. Et puis me voir tourner en rond dedans, ça va pas être super glamour. Je préférerais mieux que ce soit vous qui ayez ce souci-là. Et donc, bah, allez sur votre site de démat, hein, il est dispo là-dessus. Dark avec un Q. Et vous verrez qu'il manipule à la fois cette ambiance glauque et gothique, et puis cette façon de vous secouer la tête à vous en rendre quasiment malade. Je vous laisse bah, avec les deux playlists usuelles, et on se retrouve tout bientôt à 19h. Ciao!